Bonjour, aujourd'hui Samy va chez le dentiste. C'est comme pour nous, il faut vérifier les dents. Pour les chevaux, c'est à peu près une fois par an. On va dans une écurie où plusieurs personnes viennent avec leurs chevaux justement pour faire la séance du dentiste. Allez, c'est parti! Alors Samy, tu es prêt pour ta séance? Vous allez voir, c'est moi qui déteste le dentiste. Faut s'accrocher. Allez, c'est parti! Oh là là, mais qu'est-ce qu'on se les pèle. Ah, j'ai froid. Et donc, le dentiste veut aussi voir Aston. Dentaire normal, par contre il a des surdents, il a un bon nivellement à faire. Rien de particulier. Surdent, c'est la dent du fond qui pousse. Oui, c'est ça. La table en fait, voilà. Salut. C'est des dents, il y a une mauvaise usure. Donc on fait court quand même, Aline. Ça va aller. Chut. Ouais, mais là, c'est toutes les pointes, vous voyez, c'est déjà vérifié là. Avec une poire. Ah, parfait. Vous voyez, il n'est pas traumatisé. Vous, peut-être. Le dentiste Delporte va vous expliquer ce qu'il a fait à Samy. Avec voilà, son matériel. Alors, Samy, voilà, a eu droit à son nivellement dentaire annuel. Bon, en fait, ça dépend où je travaille, en fait, dans la bouche. On fait un nivellement, on élimine toutes les pointes, toutes ces surdents. Voilà, on arrondit, on travaille le siège du mort, le bit-sit, pour que ça soit plus agréable au niveau du mort. Et les appareils que vous m'avez montrés, le polissage. Alors, c'est des fraises en diamant. D'accord. Et donc, vous m'avez parlé de polissage. Oui, c'est la finition en fait. Pour que les dents soient polies. Et après, vous rincez avec ça, voilà, la poire. Ça, avec la poire. Et pourquoi faut rincer? C'est comme nous chez le dentiste. Toutes les dernières impuretés, etc. On revoit l'année prochaine. Ça va, tu m'en veux pas? Donc, vous vous rendez bien compte que ça se passe vraiment comme pour nous, puisqu'à la fin. Chez le dentiste, on prend aussi un verre d'eau pour rincer avec des produits. Ah oui! Oui, je sais. Allez, tu viens? Oui, je veux bien. Viens, on passe par là aujourd'hui. Oh, oh là là, le monsieur, oui, voilà. Je sais que la combinaison, c'est un peu de son truc. Le nouveau patient. Ah, c'est bon. Alors il y a Aston qui va dépiler le dentiste. Voilà. Ça va être une première. Alors, en 20 ans d'exercice, c'est mon premier taureau. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir? Ouais, on va essayer d'ouvrir au max le licol, par contre. Moi, je veux qu'il soit heureux. Hein. Bah, elle a pas cru, il a très bien fait peur. Il est tombé malade. Mais non, Samy, vous en faites trop. Et puis, vous avez... Bah oui, vous avez 200 vaches. Alors lui, il voit pas les choses de la même manière. Hein. C'est pour ça que j'aime travailler avec les cavaliers. Les gens qui travaillent avec les chevaux. Parce que ça, plus que. Ah,
Alors tu découvres devant. Ah oui, bah ça c'est sûr. T'inquiète pas, tout va bien, je suis là. Oui, on va voir. Oui, on te l'a. Oui. Bien, bien, c'est ça avec. Fais rien. Oui. Il va pas faire du mal, il veut voir les dents. Oh là là, les belles dents. Regardez ça, ces belles dents. Oh, les dents, elles sont blanches. Voilà. Attends, je vais te prendre une bouche, toi. Achetez, vous pouvez les laver bien encore. Bravo, t'as les yeux sur le maxillaire, il n'y en a pas sur le grand. De toute façon, il faut essayer de mettre le capteur. Tu fais barrière, ça déjà. Voilà. Ah, oui, c'est pas normalement, une leçon. J'arrive à faire les boulonnets avec. C'est le dentiste aujourd'hui. Hein, est-ce que le truc il est adapté au taureau? Ben, je pense pas. On va voir. Non, je pense pas. On va voir. On arrive à faire quelque chose. Voilà, on va essayer de reculer un peu la tête. On va reculer un tout petit peu si on peut. Et franchement, si ça c'est pas une problème. Voilà. Et elle reste derrière l'épaule. Voilà, un peu plus loin. Laissez la place. Plus difficile. C'est bien Aston, super, oh, c'est mon super Aston. Voilà moi Aston. Super, voilà. Je sais que t'es frustré. Voilà moi Aston. T'as toujours peur des docteurs et tout, tout alors, va bien. Alors moi Aston, voilà. Hein, voilà, il est rancunier, bon. Hein. Oh, bah alors. Tu vois, il est gentil. Voilà. Aston, tout va bien, Aston, tout va bien. Voilà. Aston, tout va bien. Voilà. Oui, bravo, bravo. Bravo Aston. Voilà. Bravo Aston. C'est pas mal, hein. Bon. Attention, vous parlez à tête. Loulou. Loulou. Tu m'en veux pas, c'est pour faire les dents un peu. C'est bien Aston, c'est bien, oui, voilà. C'est très bien. Voilà. Oh, je sais, tu fais ça exprès. Voilà, broum, broum. Voilà. Doucement, doucement. Voilà mon pépère. Voilà mon pépère. Là. Ah. Oh, il stresse là. Oh, tu stresses, caca de stress. Là, mon petit. Là. C'est bien. Si tu là. Stresses, c'est loin. Là, on peut le faire. Douce. Ne quittez pas. Ça stresse plus. Tout va bien, tout va bien. Ça se trouve, après ça, je vais venir le dentiste. C'est pour voir les dents. Ouais. C'est dépassé, lui. Bon. Alors, je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Oh, bon, du coup, t'as vu, c'est le docteur des dents. Hein? Oh là là. Mais oui, c'est bien. Pour le faire, on peut pas le faire. C'est bien de voir, on peut pas le faire avec un écarteur comme ça. Non. Ça tient pas. Donc, il faudra que je ramène l'année prochaine. En fait, on pourra ramener un tube. On met un tube dans la bouche. Parce que là, avec les incisives, puisque il n'y a que des incisives d'un côté, l'écarteur, il n'est pas fait pour, on peut pas. On ne peut pas travailler avec un écarteur avec un. Mais il faudra justement, on met un tube, on ouvrira la bouche comme ça, et là on pourra aller travailler. On fera l'année prochaine. En tout cas, il a de très belles incisives. Il a les dents vachement blanches. Comment ça se fait? Il se lave les dents tous les matins. Samy, tu lui laves les dents. Parce que moi, quand je lui mets un truc dans la bouche, quand il faut lui faire, c'est comme ça. Ah ouais, mais des pointes, attention. Ouais, bah ouais, mais... Voilà. Bah ouais, je fais... On le sait, c'est super simple, je le fais. Viens, viens. Bon, viens. Bah voilà. Bah ouais, voilà. Viens. Allez.
Gaston, c'était super. Oui, c'était super. Très bien, mon Luc. Grand garçon, hein, t'es un grand garçon, hein, oui, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on a fait un test. On a eu la chance de voir un dentiste que nous connaissons bien et qui a voulu tester Aston parce que pour les bovins, bah, c'est comme pour nous, c'est comme pour les chevaux, bah, les dents poussent, bougent, et il fait aussi, comme les chevaux, des surdents. Et pour ça, bah, il faut râper, il n'y a pas de secret, et il faut trouver un dentiste qui fait les bovins, et ça, pour le moment, en tout cas en France, ça n'existe pas. Au Québec, au Canada, ça existe, parce qu'ils ont énormément de cliniques pour vaches, et ils sont très développés, mais pas nous en France. Donc comme c'était une première, bah, on a essayé, avec du matériel de cheval, donc forcément pas forcément équipé pour les bovins. Il a essayé de mettre le carter, c'est l'appareil qui permet d'ouvrir la bouche du cheval. Et effectivement, n'étant pas adapté à la morphologie d'une tête de cheval avec Aston, ça n'a pas fonctionné. Mais au moins, ça permet de voir au dentiste quel appareil qu'il devra mettre en place pour le futur proche, puisqu'on va essayer de râper ses surdents qui peuvent le blesser à l'intérieur. Merci à vous. Et surtout, abonnez-vous à la page Aston le Taureau pour suivre toutes les aventures d'Aston le Taureau. Bye bye!